tout le monde. Une grande joie pour nous aussi au Bouclard et pour moi de vous présenter une arrivée voilà, qui était très attendue dans le monde de la guitare acoustique. C'est la marque Guild qui revient avec, on va dire, l'étendard, hein, la D55, là en finition Antique Burst, mais c'est une guitare mythique, évidemment. Qui n'a pas joué dessus, Clapton, et on en a vu plein sur scène. Une guitare qu'on attendait avec vraiment beaucoup d'impatience, nous ici. On travaille déjà cette marque Guild depuis un bout de temps. Attention, je vous rappelle que ce sont des guitares américaines et fabriquées entièrement aux États-Unis. Donc ce n'est pas des guitares indonésiennes ou autre chose, on est bien sûr de la Merlot plein jus. Donc voilà, tout de suite ça sonne. On s'aperçoit que la guitare est pleine, riche. Voilà. Ça sent vraiment l'américaine comme on les aime. C'est plein, les aigus. Bon, bien tort, mais au doigt, on s'aperçoit que c'est super sympa aussi, hein. De rock'n'roll par excellence, la D55 et de blues, on a vu pas mal de gens jouer dessus, je vais pas rappeler tous les noms, hein. J'adore. Alors, la finition, c'est beau, c'est pas électro-acoustique, hein, donc on est sur une guitare tout à fait normale, on peut l'équiper sans aucun souci, mais voilà, une super guitare. Bon, ben, qu'est-ce qu'on ferait bien? J'ai envie de jouer un peu de musique. Tu me donnes un coup de main, Pascal? Oui, j'arrive. Oh, bah, c'est cool. Bah, oui, Pascal, que vous voyez pas, parce que là, il était caché derrière la caméra. On s'est dit un petit coup, bah, on va faire un truc. On va pas aller voir. Oh, bah, voilà, bah, il a mis son doigt. On va pas aller voir les Amerlock, du coup, on va aller voir les Rosbif, hein, avec les Stones. Un petit truc, on va faire un petit truc sympa. Voilà, hein. On se revoit bientôt. Je vous dis au revoir. Ciao. C'est bon, ça. Ah mais non, c'est bon, on va garder. Voilà, bon, écoutez, on vous le fera un prochain jour. Ciao, à bientôt.